Pendant toute la semaine, Rémi Gornet, l'un des chefs des Ducs de Lorraine à Épinal, imagine des recettes festives pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Alors, c'est une déclinaison autour du foie gras. Il y aura une crème, une soupe et un yaourt. Donc là, Rémi, tu as mis des morceaux de terrine de foie gras. Terrine de foie gras et du foie gras cru. D'accord, donc les deux. Et oui, on va faire notre crème brûlée. Crème brûlée, c'est ça ? Tout à fait. Donc, on te l'a coupé grossièrement et on va mixer. Voilà, c'est ça. Avec donc du lait et de la crème. D'accord. Donc là, l'idée, finalement, c'est de partir d'un produit festif, à savoir le foie gras, voilà, et de le décliner en trois petites choses. En trois petites choses pour faire l'apéritif. Un peu dînatoire, on peut... Voilà, et on va y rajouter aussi le jaune d'œuf. D'accord. Oui, on est vraiment sur une recette crème brûlée. Crème brûlée, voilà, de foie gras. Donc, on va aussi assaisonner. D'accord. Un peu de sel, un peu de poivre. Tout de suite. Donc, sel et poivre. Est-ce qu'on peut faire cette recette uniquement avec de la terrine ? Uniquement avec de la terrine, oui, mais le problème, ça risque de rejeter un peu de gras avec la crème. Donc, il faudra peut-être réduire un peu la crème pour augmenter un peu le lait dans la recette. D'accord. OK. À peu près 10 grammes, faudra jouer sur 10 grammes, je pense. Pour pas que, justement, qu'il y ait trop de surgras, vu que le foie gras est déjà cuit. Mmh. Oui, ça a tendance à rejeter un peu, plus de gras. Voilà. Donc là, c'est bon, on mixe. Donc là, on mixe. Ça, c'est une recette, la crème brûlée, qu'on prépare avant. Parce qu'on va la cuire. Voilà, on va la cuire. On peut la conserver au frais. Vous pouvez la garder deux jours. Et ça se mange. De toute façon, ça va se manger froid. Puis on va, comme une crème brûlée, la caraméliser au sucre. Au moment de la manger, on la caramélise. On va l'arrêter, on va le stopper. D'accord. Donc là, tu vas les... On va les mouler. Donc bah, vraiment comme des petites crèmes brûlées. Voilà, c'est ça. Donc on va les cuire au bain-marie. Tout à fait. C'est pour ça que tu les as mis dans une... À 110 degrés pendant 10 minutes. D'accord. Ouais, puis l'idée, c'est de partir sur vraiment des formats... assez petit. Bouche parce que... On peut même prendre un peu plus petit. Bon, en fonction de l'épaisseur de la porcelaine, il faudra peut-être cuire un petit peu plus. D'accord. Donc, on va y verser de l'eau chaude. D'accord. On va remplir à mi-hauteur. Oui. Voilà. Système de bain-marie. C'est ça. Et après, donc, tu m'as dit... on va enfourner ça 10 minutes. D'accord. À 110 degrés. D'accord. Je te laisse faire. Ce qui nous permet de réaliser la soupe. Voilà, nos deux autres recettes. Donc, on va commencer notre soupe avec du foie gras terrine. D'accord. On va mettre au mixeur. C'est l'ingrédient mystère des trois recettes. On va mettre un peu de bouillon de volaille. Oui. Ah, d'accord. Hop. On va y mettre deux glaçons. Oui. Hop. Bah oui, on est sur une soupe. Hein. Ça soit bien glacé. D'accord. Et on va y ajouter un peu de crème. Un petit peu de crème. Mmh. On va dire un décilitre. Là, il y a à peu près 100 grammes de foie gras pour un décilitre de crème. D'accord. Et on va mixer le tout. Pour faire la recette-là, il faut un mixeur et il faut un bon mixeur. Il faut un bon mixeur, c'est important. Qui mixe les glaçons. C'est ça. Bon, après, si vraiment on a un blender... On peut casser la glace ou... Ou la casser ou prendre un peu glace pilée, choses comme ça. C'est ça. En fait, ce que je retiens des trois recettes... Le yaourt, on va utiliser le mixeur ou pas ? Oui, tout à fait. Ah, donc en fait, il faut juste du foie gras et un mixeur. Et là, on a déjà les bases. Vraiment, on part sur de bonnes bases, c'est ça ? On goûte l'assaisonnement ? Bah, je goûterai à la fin, moi. D'accord. Je te laisse... c'est toi le chef. Non, on va laisser comme c'est ça. C'est pas mal ? Très bien. Donc ça aussi, je peux la faire à l'avance, la soupe ? Oui. Et c'est même mieux, comme ça, je la réserve. Elle va bien prendre... Elle va bien prendre, oui. Donc, au frigo, et ensuite, on fait notre yaourt. Au frais, et après, on fait notre yaourt, oui. Donc là, on a changé de mixeur. Hein. On a changé de mixeur parce qu'on va changer de texture. D'accord. On va partir sur du yaourt de foie gras. Ouais. Donc, ce qu'on va mettre, c'est du foie gras en terrine, qu'on va mixer assez finement. D'accord. Ouais, tu veux vraiment un effet yaourt. Enfin, on veut faire un yaourt. Pas que ce soit trop lisse pour le coup. Enfin... Voilà, c'est ça. Pour ça, mixeur, pas trop puissant. Voilà. Donc là, on l'a bien mixé. Oui. D'accord. Donc, on va le débarrasser dans un saladier. Oui. Donc, tu mixes pas directement avec le fromage blanc, pourquoi ? Alors, pour éviter que... Parce qu'on va le chauffer, notre foie gras. On va légèrement le chauffer. D'accord. Pour le liquéfier un peu, pour l'incorporer au fromage blanc. D'accord. Donc on va là, je fais un système de bain-marie. Voilà. L'idée, c'est quoi ? C'est que le foie gras... De faire gras fondre le foie gras, voilà. Donc, comme ça, un bain-marie, il faut mélanger régulièrement. Oui. Donc là, on va y incorporer notre fromage blanc. Donc là, on incorpore le fromage blanc. Oui. Ensuite, on n'aura plus qu'à mettre un petit coup de... d'épices. Donc, assaisonner ça. Voilà, les dresser. Les dresser. Et après, on fera brûler nos crèmes et on dressera les trois petits foie gras. C'est ça. Et après, on n'a plus qu'à goûter. Tout à fait.
fait, c'est top parce que ce qui est très sympa, c'est que on a un même produit. Oui. Et le fait de passer de l'un à l'autre, pour le coup, tu l'as en... au niveau du goût, bah, c'est relativement quand même différent. Oui. Ça change d'un foie gras exact, terrine. Exactement. Et c'est ça qui est très sympa. Et je trouve que ce qui est bien, c'est qu'effectivement, ça permet d'avoir un mets qui est quand même exceptionnel, qui est le foie gras. Mais ça sort de la traditionnelle terrine, etc. Donc, c'est, voilà, c'est moins plan-plan. C'est beaucoup plus sympa. Et c'est vrai que les trois différentes, comme ça, on s'amuse. Ouais, les textures sont un peu différentes aussi. En cette heure. Franchement, c'est bien. Et puis, ces trois recettes qui sont rapides et faciles. Donc, ça, c'est bien. On fait quoi ensuite, Rémi? On fera la crème de Saint-Jacques, crème de potiron Saint-Jacques.